la discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politico-militaire, la question ukrainienne dont tu as rappelé l'importance et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région, et les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler.